Il y a fort longtemps, les terres de l'Aether étaient habitées par une race la protégeant, les Tenchi. Les Tenchi protégeaient l'Aether au péril de leur vie. L'âme du seigneur des Tenchi, Kyo, était utilisée comme bouclier autour de l'Aether pour que nulle créature ne puisse y pénétrer. Le dieu du soleil, Dokusai, régnait avec le dieu de la lune, Aku, sur les terres d'en bas. Mais Dokusai était avide de pouvoir et d'autorité sur la terre. Alors un jour, Dokusai perdit l'esprit, et par un instant de folie, voulut régner sur les terres de l'Aether. Il força la protection des terres pour y pénétrer, puis alla massacrer les Tenchi pour prendre possession des îles d'au-dessus. Malheureusement, les Tenchi n'avaient pas de quoi se protéger contre les seigneurs des flammes. C'est alors que Haru, le seul Tenchi qui possédait une lame, fonça sur le dieu pour lui tenir tête, et ainsi à lui faire reprendre la raison. Mais le dieu était largement trop puissant pour que Haru lui tienne tête. Il lui crama une aile, puis le bannit des terres, massacrant sa famille devant ses yeux. Le jeune ange cria de rage du plus profond de son âme avant de tomber, pour enfin s'écraser sur les terres d'en bas. Il jura devant les cendres du royaume qui tombait du ciel, de se venger de Dokusai et de le vaincre pour ainsi reprendre possession de ses terres. Mais Antioi, avant de mourir, il faut que je t'avoue quelque chose. Haru, c'est toi. Pour te venger, il te faudra battre la reine Valkyrie, pour pouvoir prendre la clé qui ouvrira les portes de l'antre de Dokusai. Sayonara, Haru-sama. Antioi se sentait bouleversé, et sa mémoire était revenue. Il se rappelle maintenant pourquoi il est là, pourquoi il vit, pourquoi il ne peut plus voler. Il se rappelle maintenant de son but, la véritable histoire commence. Hey, salut à tous, c'est Antioi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de Antioi dans l'Aether. J'espère que l'intro qu'il y a eu juste avant la vidéo vous aura plu. J'espère que vous l'aurez aimé, j'espère que vous la trouvez triste parce que ça fait genre un mois que je trouve des idées sur cette intro et que enfin j'y arrive. Donc j'ai mis beaucoup de temps à faire cette intro et je vous en remercierai jamais assez de l'avoir regardé parce que moi ça me fait un plaisir énorme à pouvoir faire des vidéos pour vous et voilà. Et pour moi aussi, parce que j'aime bien faire des vidéos, voilà. Et en tout cas, j'espère que ça va. Donc, vous allez voir... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire après la découverte, après la... la révélation que nous a fait notre cher Slider dans sa grotte, dans son donjon. Nous allons nous préparer pour combattre la reine Valkyrie. Alors, je n'ai pas encore son nom, mais je sais qu'elle se trouve là-bas. Bien entendu, il y en a plusieurs, tout comme il y a plusieurs tours du plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, j'ai remarqué que je n'avais pas un full stuff en zanith. Pourquoi j'ai fait deux pioches en zanith, je ne sais pas. On avait récupéré le marteau de Notch. On a je ne sais pas combien de trucs qui nous servent à rien. Le golden parachute, je vais le garder au cas où. Et on va aller miner. J'ai vu de la zanite quelque part, donc on va aller le miner tout de suite. Et vous allez voir un petit quelque chose dès qu'on va sortir de la maison. Vous allez voir un petit quelque chose d'assez sympathique. Donc ce CD là, vu que je n'ai pas de diamant et que je ne compte pas aller dans le monde d'en dessous pour aller en chercher, est-ce que vous me dites dans les commentaires si vous voulez bien que je me give un jukebox, voilà, si vous voulez que je me give un jukebox. Voilà, alors, je croyais qu'on avait une pioche en granitite, en zanite plutôt, gravitite c'est l'autre.
mais qu'on a bien entendu. Qu'est-ce que je suis con, pourquoi je demande ça? Et on va aller chercher de la bouffe parce qu'on commence à mourir de faim. Alors, bien entendu, je vais aménager un petit peu la maison, je vais construire des choses sur le toit, mais ça sera hors vidéo, ça sera pour l'épisode 13. Et donc là, comme vous pouvez l'entendre, alors je vais juste baisser un petit peu le son pour moi. Comme vous pouvez l'entendre pour vous, pendant le montage, donc à partir de cet épisode, il y aura, je vais pas utiliser le bug, il y aura des musiques d'ambiance que je mettrai comme si c'était un RPG, comme s'il y avait des musiques d'ambiance par endroit. Et vous verrez des montages qui sont ma foi super sympathiques. Voilà. Alors le zanith se trouve en bas. À cet endroit-là, vous le voyez peut-être ici. Comment on va y accéder? Alors, ça, c'est une bonne question. Eh bien, tout simplement, j'aurais dû prendre une pelle, mais bon, c'est quoi. Il y a eu le pop de notre cher... Je ne sais pas comment on va l'appeler. Ça sera à vous de lui donner un nom à notre cher petit Moa. Ça sera à vous de lui donner un petit nom, chéri. Alors... Je ne sais pas où sont... où est la zanith. Elle est où? Je ne la vois pas. Elle est où? Je la cherche. Où est-ce qu'elle? Passez-moi ces zaniths, sinon je vais rentrer dans une colère folle. Ah d'accord. Alors... Je ne sais pas si ça dit colère folle. On va boucher ces trous. Oh. Voilà. Alors, par là. Petite saison de mina. Voilà, la zanite. Attention. On va vérifier si elle est pas au-dessus du vide. J'espère pas. Hop, je vais me mettre. Voilà. Et voilà, celle-là est au-dessus du vide. Comment on va faire pour la récupérer? je ne sais pas. Où est la zanite ici? Eh bien, voilà, quand on cherche, on trouve. Celle-là aussi. Ah merde, bon bah, que la chance soit avec nous. Raté. Que la chance soit encore avec nous. Encore raté. Bon bah, cette chance ne sera pas avec nous pour aujourd'hui. Alors, j'espère que cette musique vous détend pour cet épisode tant attendu. Alors, donc on a deux anites. Oh, oula. Wow. Olé. Alors toi, tu vas pas faire long feu. Tu vas pas faire long feu, c'est moi qui te le dis. Ah, je les ai touchés, c'est pas vrai. Oh putain, j'ai été bombardé en plus. C'est moi quoi. Et là, voilà. Vous allez avoir une super lueur verte pendant tout le long de l'épisode. Ça va être cool. Non, ça va disparaître au bout de quelques secondes normalement. Et donc bien entendu pour les pendant le off, j'aménagerai le toit parce que le toit voilà, ça sert à rien d'y accéder. On en fera un plus haut. J'aménagerai aussi la maison parce que la maison est un petit peu vide et j'aménagerai aussi le sous-sol. Alors, on a deux zaniths, ce n'est pas assez, il nous faut plus de zaniths. Je vais faire un petit accéléré, le temps de chercher quelques zaniths. Ou plutôt un petit... Oh, attendez. Attendez. C'est moi ou il y a de la gravité de quelque part vers là-bas? Je ne sais pas. Eh bien, je vais faire une petite ellipse, le temps d'aller chercher les zaniths. Restante, à tout à l'heure. Re tout le monde, alors j'ai trouvé. Oula, je regarde juste un petit peu mes FPS, ce qui est cool. J'ai pensé qu'au lieu d'aller miner quelque part dans ces mines, je vais miner dans mon propre sous-sol, ce qui est vraiment mieux. Pourquoi donc? Parce que c'est mon propre sous-sol et que ce n'est pas à d'autres personnes qui est. Inévitablement des méchants, tout simplement, parce qu'il y a des méchants dans cette série, il y a que moi qui est gentil, lol. Non, je déconne, il y a aussi notre petit Moa, que
l'ai pas vraiment encore décidé du nom. Je sais pas si je vais l'appeler Haru ou pas, vu qu'Haru normalement c'est moi. Vu que oui, c'est moi, toujours. Pourquoi je donnerais mon nom? Je sais pas, je donnerais peut-être mon nom à cette île, peut-être. Donc on va miner dans notre sous-sol. Ah, Gravitite chez moi, c'est trop bien. La gravitite chez moi. Aïe. Youpi. Ah mais c'est super cool ça. Ah ça va nous aider. On a reçu 2 gravitites. Ah bah c'est cool. Comme ça, ça nous fait plus de gravitites. Donc... voilà. Alors peut-être qu'il y en a aux alentours. Hop, 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 hop. Avec notre super pioche en Zanix. Fait des fureurs. What? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de dire quelque chose dans les derniers épisodes par rapport à la pioche en zonite. Plus elle est usée, plus elle est efficace. Regardez ça. C'est pas magnifique. Par contre, elle s'use vite. C'est ça le problème. Bon, on va pas rester là indéfiniment. On va boucher cet endroit parce que j'ai pas envie de faire bombarder. Eh, on a 3 gravitites. C'est bien. C'est même très bien. Est-ce que ça se met là-dedans? Oui, c'est ça, ça se met là-dedans. Avec les petites flammes qui sont ma foi belles. Qui sont ma foi très belles. Alors, je vais ranger la Flaming Sword parce que j'ai pas envie d'utiliser. On en a eu 2, mais voilà. La gravitite, on va la mettre. La zanite, je veux dire, on la met ici. On va aussi utiliser la pioche qui est complètement cassée. Et on utilisera aussi ces pioches là, voilà. Donc la pelle on en a pas vraiment besoin. Ça on va le ranger ici. Ça, ça, ça. Et ça aussi. Et puis je vais rechercher de la gravite. Voilà, de la gravitite avec notre cher Moa. A tout à l'heure. Alors, bien entendu, vous croyez vraiment que j'allais vous laisser? Qu'est-ce que vous entendez ici? Mais qu'est-ce que vous entendez ici, me diriez-vous? Eh bien, tout simplement, comme je vous l'ai dit, il y a maintenant des musiques d'ambiance que je rajoute au montage. Oh, 9, super. Que je rajoute au montage. Et pour chaque thème, donc, il y aura un thème aussi pour le vol à dos de Moa. Alors, je vais aller en chercher là-bas. Non! Voilà, super. On va aller le plus haut possible. Voilà. Et on va essayer d'aller sur d'autres îles inexplorées. Comme par exemple celle-là, là-bas. Et bien voilà. Donc je vais laisser Fraps pendant quelques minutes, le temps que vous appréciez la petite musique. Et je vais continuer à vous parler, le temps d'aller en chercher en fait. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc normalement, désolé pour le changement de voix. Normalement mon nouveau let's play sur Devil May Cry 3 sera sorti avant cet épisode normalement. Et j'espère qu'il vous plaira parce que j'ai pris un plaisir mais énorme à pouvoir le tourner. Car ça faisait quand même plusieurs mois que j'attendais ma carte d'acquisition et elle est enfin là. Voilà, donc je prends les fleurs pour pouvoir peut-être faire des laines. Alors pourquoi des laines? Parce que je sais pas. Parce que des laines. Voilà. Ah bah voilà. Quand on parle du loup. Et bim. Aïe. Mais voilà. Vous allez capable de me tuer. Pas vraiment. Il a failli mourir. Bon, on voit dans ses textures, mais bon. Il a failli mourir. Ce pauvre Moa. Ça va, tu n'es pas mort. Je suis désolé. Ils ne feront plus jamais ça. Ah, Soradoki. Soradoki. What? C'est quoi ce truc?
C'est le nuage. Ah ouais. Un Soranuki. 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 Notre cher ami Soranuki. Eh bien voilà, on les a retrouvés, le peuple des Soranuki. Ils sont mignons en plus. Mais ils font tomber des nuages. C'est moi. C'est trop bien. Hop, alors. On va garder Soranuki pendant quelques temps. Et on va aller chercher la Zanny qu'on a pu voir. YOLO. Ouais, c'est trop bien. What? C'est quoi ça? Oula. J'ai failli mourir. C'est quoi ce truc? Ah, mais c'est trop bien. Ah, mais c'est trop bien. Soranuki reste ici. Oh, mais c'est trop bien. Ah. Ah, c'est Noël. C'est Noël. Ah, c'est trop mignon. Ah, il y a un donjon de bronze juste à côté. On pourra faire notre revanche au Slider. Il est trop mignon. C'est trop beau. C'est Noël. C'est Noël avant Halloween. Logique. C'est Noël avant Halloween, mais c'est trop bien. Mais il y a des cadeaux en plus. Oh, ils nous offrent des cadeaux, c'est trop bien. Ah. Oh putain, elle a failli me faire exploser. Mais ces cadeaux sont piégés. Donc c'est bien ce que je disais. C'est Halloween en fait. Ah mais il y a un autre cadeau là-bas. Aïe, Soranuki t'aurais pu m'apporter d'aide. Putain mais c'est encore un cadeau piégé. J'ai évité de peu l'explosion. Bonjour. Oh tiens. Ça fait longtemps qu'on en avait pas pris en plus. Essayez. Aïe. Aïe. Mais... Aïe! Aïe! Voilà! Voilà! Prenez ça! Par la colère de Notch! On pourra faire notre petite revanche en Slider, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. On va prendre un Soranuki. Venez, peuple des Soranuki! Venez me protéger. Cet homme. Oups. Bon, le peuple des Soranuki n'aime pas Notch. Ça, c'est quelque chose à savoir. Donc, notre cher ami le Slider est là et il n'y a rien d'autre. C'est pas possible. Bonjour. Je ne suis pas ici pour... Je viens de tuer le Soranuki. Alors toi, hop. Non. Toi, je ne te veux pas. Tu as compris? Merci. En plus, tu m'as donné des choses qui me seront utiles. Eh bien... Oh, mais attendez, mais on va pouvoir le prendre, ça. Je vais utiliser... que ça mine tout aussi vite. Voilà, on va pouvoir le prendre. Eh bien, on dirait que le Slider soit s'est réincarné. Ça c'est ce que je pense, mais je ne crois pas. Je crois plutôt que c'est une statue. Ça doit être la statue suite au discours, au très beau discours et au discours révélationnel que m'a dit notre Slider qui est encore tout bouleversant. Elle en pleure aussi. Oui, je suis super sensible. Alors, on en a combien? On en a 27. On en prend 3 d'autres pour arrondir le tout. Il n'y aurait pas d'autres cadeaux. Bon, Soranuki, viens par ici, toi. Ne quittez pas le peuple. J'aurais dû prendre une pelle. J'aurais dû. Ah oui, mais attendez. Il y a du bois. Et mais oui, mais attendez, je vais faire une pelle. Je vais aller prendre tout. Attendez. Mais c'est super bien cet endroit. Par contre, faudra pas que j'oublie à revenir à la maison. Ce dont j'ai complètement oublié. Mais ça, ne vous inquiétez pas, je crois savoir où est-ce que c'est. C'est par là, normalement. Alors. Soranuki reste ici. Nous allons faire tranquillement une petite pelle. Donc, table de craft, s'il te plaît. Nous allons faire une pelle et nous allons chercher notre neige, mais en fait c'est pas juste notre neige, c'est plus, comment dire, la neige céleste. Voilà, on a trouvé notre nom. Le nom pour le thème. Voilà. Enfin, je viens de faire une... Oh là là, je suis fort. Je viens de faire une pioche. Trop fort. Hop là. Hop, 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 hop.
Oh, un Soranuki qui tombe du ciel, c'est trop mignon. Voilà. Par contre, on va ajouter quelques pioches. Wow. Non, mais... Non, monsieur, je ne veux pas de votre... ventilateur. Voilà, je ne savais pas comment on disait un ventilateur. Et maintenant, je viens de trouver. Trop fort. Hop. Alors. On n'a pas assez de neige. Nous allons faire des boules de neige. Ça va être trop bien. Donc, à ça sort, on a quoi? On a rien? Vous êtes sérieux? Ah non, attends. Ah non, mais on reçoit des boules de neige en plus. Non. Ça? Non, c'est pas ça en fait. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Bonjour, baleine! Ça va? Faudrait que je pense à manger, moi. Par contre. Hop, hop, hop. Ceci est très bon. Bonjour petit Zéphyr, comment allez-vous? Par la sentence de Notch! Ah bah non, pas radé. C'est toute la caution en fait. Pas celui-là par contre. Par la sentence de Notch. Voilà. Hop. Et hop là. Voilà, on va mettre une petite table de crabe pour dire qu'on était passé par là. Et notre normalement, notre moai est par ici. Alors, je ne vais pas utiliser le zanit, vu que j'en ai pas... Ah, voilà. La zanit. La zanit. Hop. Hop. Hop là. Ah, non. Hop là, voilà. La sentence de Notch marche super bien. Oui, je l'ai appelé la sentence de Notch parce que c'est stylé. Voilà. 8. Alors, ce que j'ai appris, c'est que je me suis fait très mal. Je suis super fort sur 20. Et cet endroit m'a l'air super sombre. Oh, j'aime pas cet endroit, on dirait... On dirait que je suis prêt pour ma session Halloween aujourd'hui. Là-bas, il y a un truc. Mais... Le seul moyen de le voir, c'est d'y aller. Triste, mais c'est ainsi. Ok, ça ne servit... Fonce à roue. Fonce à roue, fonce! Il y a un truc qui te poursuit! Par la sentence de Notch! C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce putain de truc? Un mouton bleu! What the fuck? J'ai pas de fer! Cisailler. Ouais, je veux cisailler. C'est un mouton bleu, alors on le cisaille, bon bah. Par la sentence de Notch! Fuis, petit! Merde! Ah, mais il donne de la laine bleue en plus, c'est trop cool! De la laine bleue ciel. Par contre, on va pas jeter la neige. La neige, c'est très important. On n'a pas ramassé toute la zanite, c'est pas bien ça. Là-bas, c'est notre cher endroit. Et on va aller chercher notre zanit préféré. Et il a répondu à neuf. Mais c'est magnifique. Oula. Ne pas utiliser la pioche en zanit parce que s'il y a de la gravité quelque part, je serai bien deg. Voilà. Voilà. J'en ai 16. Mais c'est magnifique. Mais c'est l'île de la zanit. Je vais te l'appeler comme ça. L'île de la zanit, ça lui va bien en plus. Mais c'est magnifique. Mais c'est vraiment l'île de la zanit. C'est tellement l'île de la zanit. Bon bah je vais l'appeler l'île de la zanit. Il aura un thème spécial île de la zanit. Voilà. Je vais m'amuser dans le montage moi. La zanit encore une fois. Mais arrête de pondre des œufs toi. J'aurais tes congénères en quadruplé. Il y a encore de la zanit là-bas. C'est magnifique. Aïe. Je sais que tu m'as fait mal là. Aïe. Wow, wow, wow. Hop.
Hop. Non, il veut pas miner. Hop. Non, ne descends pas. J'avais encore besoin de toi. Mais tu n'es plus d'aucune utilité. Non, je plaisante. Il met encore d'utilité. Par contre, je sais pas combien il va durer cet épisode-ci. J'espère qu'il vous plaira. Alors, oh mais c'est vraiment... Bon bah voilà, il y aura un thème spécial île de la Zanit. Parce que là, avoir 30 Zanit sur une même île, 30 Zanit sur une même île, et il y en a encore. C'est quoi ce délire? C'est le délire de la Zanit. Hop, hop. Oula. Hop, hop. En plus, ma pioche est bientôt cassée tellement il y en a. Ouais, bah elle va tomber. À moins que... Non, non, elle va pas tomber. C'est bon, il y en a plus. C'est bon. Ah, il y en a plus. Arrête de t'inventer des trucs. Hop, hop, hop. Aïe, oui. Et oui, mesdames et messieurs, c'est du skill, tout ça. Alors... Oh, mais tu fais n'importe quoi ici. Tu vérifies s'il y a rien de spécial. Encore de la zanite. Encore. Ils en ont pas marre. Mais c'est quoi cette île? Genre, j'ai mis 10 épisodes à chercher de la Zanit et à ne trouver que 3 Zanit. Maintenant, j'en ai 38. What the fuck? C'est quoi ce délire? Attendez. On va retourner sur notre île et on va mettre tout ça. Ça sera en plus... Ah ouais, ça sera la fin de notre épisode. Ah ouais, mince. Eh bien... Ce que j'avais l'intention de faire ne sera pas pour maintenant. Ce sera pour le prochain épisode, mes chers. Hop. Yep. Alors, j'espère que c'est par là. Normalement, ça doit être par là. Hop. Oui, c'est par là. Vas-y, charge bien. Je crois que c'est par là. Mais... Ouais. Je dirais plutôt que c'est par là. Oui, oui, c'est bon. Je reconnais le nuage. J'ai récupéré de la... Ah non, ça pourrait nous servir ça, par contre. Je vais aller en chercher. Je vais aller chercher de ces trucs-là. Attendez, je vais juste vérifier un truc. La batterie est en charge, je m'en fous. Oula. Ouf. Raté. J'avais trop de skills pour vous, bien sûr. Hop. Hop, 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 hop. Toi, non. Tu ne m'embêteras pas. C'est bon, nous sommes sur notre île. Hop. Et hop, tout simplement, et nous approchons de la fin de l'épisode. Et oui, mesdames et messieurs, c'est déjà fini. Et oui, j'en pleure. Aïe, voilà. Par contre, je sais où est-ce que je vais stocker les œufs de Moa. Bon, en fait, non, pas du tout. Alors, une light blue. Je vais la garder, ça va être dans les objets. Rare. Ouais, je vais appeler ça un objet rare. Nous allons créer notre neige. Parce que des boules comme ça. Oui, les tout magnitem. Et alors c'est... Voilà. Les tout magnitem. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire, mesdames et messieurs? 20 neige. Ce que vous faites dans les objets rares. Objets pas rares. Oui, voilà. Et 38 putain de zanit. Ça nous fait beaucoup de zanit. Eh bien, ça sera la fin de notre petit épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est... Mais attendez, c'est que quelqu'un veut... Par la sentence de Notch. Voilà, je prendrai une voix un petit peu plus stylée dans le prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à laisser un petit commentaire. Et à partager aussi, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.